Imaginons que tu recherches des items ou des crédits bon marché sur Rocket League. C'est très simple, il faut aller sur Awea.com qui est le sponsor de la chaîne et vous pouvez bénéficier de 6% de réduction sur vos achats avec le code RADA. Et bien sûr, tu seras livré en quelques minutes. Du coup les gars, nouvel événement sur Rocket League, alors on fait une vidéo présentation. Alors je compte sur vous pour mettre les 100 likes, pour vous abonner, pour mettre le code créateur RADACORD, le code créateur qui met tout le monde d'accord dans la boutique Rocket League ou dans la boutique Fortnite, c'est comme vous voulez. Et pour ça, rejoindre le Discord, c'est là où je trade avec vous et aussi je trade avec vous sur Twitch. Alors le NFL Fan Pass est disponible comme vous pouvez voir dans le titre. Je pense que tout le monde le sait, mais l'événement c'est sur le football américain et du coup je crois que la NFL, bah c'est tout simplement la ligue. Alors on peut voir qu'il y a des nouveaux stickers Dominus animés pour les 32 équipes de la NFL et ainsi que d'autres objets NFL. Ok. Et en plus de ça, ça fait au moins 6-7 mois que c'est sorti, il y a un mode de jeu et aussi il y a des nouveaux défis. On va arrêter de parler et on va alors, tout présenter. Il y a énormément de défis, bah non pas du tout, ils se sont pas pris la tête. Gagner 10 parties en ligne, bon, ça va pas être dur, ça fait de l'XP gratuit, ça c'est bien. Ok, en vrai ils sont stylés les petits items, mais bon, c'est pas un truc de malade. Dans la boutique, je pense que je vais vous présenter les items en musique. Je vais pas commenter à chaque fois. Et le nouveau mode, c'est ça en fait, c'est un football américain quoi, je pense que vous vous en doutiez. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais ça date d'il y a au moins 6-7 mois, alors la qualité c'est pas fou, bah comme les vidéos maintenant, mais vous êtes pas obligé de me le redire. Je vais pas vous le présenter là, parce qu'en vrai, vu que j'ai déjà fait une vidéo dessus, ça sert à rien. Donc voilà les gars, c'est à peu près tout, je pense qu'on a fait le tour de tous les défis, tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, enfin du moins que ça vous aura informé. Moi je vais lancer un petit live Twitch, alors pensez à le rejoindre, c'est dans la description. Et si vous voyez cette vidéo que je suis plus en live, bah pensez à vous follow juste pour la prochaine fois, pour recevoir la notif, tout ça, ça ferait super plaisir. Enfin bon, on se retrouve bientôt pour une vidéo trade, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait, va falloir que j'en fasse une. Merci d'avoir regardé cette vidéo.